est un tout petit village de 550 habitants au cœur de la Touraine, à mi-chemin entre Loches et Chenonceaux, et un village qui a trouvé une vraie identité autour des parcs et des jardins. En 1998, il y avait eu des travaux d'enfouissement de réseau, on avait fait disparaître les fils électriques et on a eu envie de redonner la rue aux habitants du village. C'est vraiment ça l'origine de tout ce fleurissement. Et on a invité André-Ève à venir nous voir en disant « Tiens, on aimerait bien planter des rosiers, est-ce que vous pourriez nous aider ?» Et voilà, au fil des années, c'est devenu un vrai jardin. Les gens du village se sont pris au jeu, leur rue devenait de plus en plus un lieu de vie, un lieu où ils étaient bien, où ils aimaient discuter. Et je crois que ça participe aussi à la vie et au charme du village. Samedi et dimanche, la fête des mères, c'est le Festival des Roses. Et là, bien sûr, le village est dans ses plus beaux éclats, mais on présente aussi beaucoup de roses qu'on peut acheter. On se promène, il y a les roses, il y a la musique, il y a du théâtre. Tous les habitants du village, des plus âgés aux enfants, se sont mobilisés pour venir entretenir ce village. Il y avait pour les enfants des chantiers dans la journée, le soir vers 8 ou 9 heures, des chantiers beaucoup plus tardifs. Et là, on s'est aperçu que c'était vraiment l'affaire de tous.